C'est un peu évident en fait comme réflexion parce que au bout du compte, tout le monde se doute de cela, mais c'est bien de la rappeler uniquement pour que à la fois tu ne te mettes pas en danger et surtout tu ne fasses pas en sorte que ces personnes qui peuvent t'aider refusent de revenir travailler avec toi en fait. Toujours en connaissance de cause, je peux vous assurer que si vous en demandez trop à quelqu'un, il va forcément finir par ne plus vouloir faire de vidéo avec vous pour la simple et bonne raison que le trip deviendrait un peu trop centré sur votre personne et que cela finirait par ne plus du tout la mettre en avant. Car par exemple, si vous décidez de faire une vidéo en duo avec quelqu'un, si cette personne n'est pas vraiment tentée par le sujet, de base vous allez partir avec un handicap et donc celle-ci ne va pas apprécier la démarche de création et de collaboration qui permettra à votre vidéo de gagner en intérêt. Or, non seulement c'est un des buts principaux, mais surtout, cela est important que le participant se sente tout autant à sa place que la personne qui l'a invité. Et donc, qui sur le papier avait envie de faire cela, et non de se retrouver dans une position inconfortable. Car on ne souhaite pas mettre un proche mal à l'aise lorsqu'on bosse ensemble. On souhaite simplement faire en sorte qu'il se sente bien avec toi. Tu dois voir la création d'une vidéo ou d'un projet audiovisuel comme un mariage. Mais un mariage affectif, celui d'un créateur et celui d'un participant. Celui d'un auteur et peut-être de quelqu'un qui se sent profondément influencé par ton travail et qui donc ne souhaite qu'une seule chose, mieux cerner ta manière de voir les choses. Je prendrai encore une fois un exemple concret, celui de Colin, qui à la base était un fan de la chaîne et aimait bien mon travail. En tout cas, je crois. Et regardez aujourd'hui, j'ai su lui ouvrir mes bras et surtout lui a su s'ouvrir à moi pour me laisser lui offrir l'opportunité de donner son avis, mais surtout de faire de ma chaîne un havre où chacun y trouve son compte. Et Colin fut le premier d'une longue liste de personnes qui j'estime aujourd'hui très proches de moi parce qu'elles ont su s'investir dans quelque chose qui leur plaisait et qui me plaisait aussi. Donc une chose est sûre, prends soin des personnes qui bossent avec toi, comme avec une petite relation. Si tu en prends soin, elles reviendront parce qu'elles auront aimé l'expérience et ce seront certainement elles qui spontanément viendront te voir en te demandant si elles peuvent à nouveau participer à une vidéo et tu n'auras même plus besoin de forcer ou de réclamer qu'une personne participe à tes projets. Se créer des collaborateurs stables dans ce métier ou cette branche, c'est souvent parier sur l'avenir. Se dire que si l'aventure leur plaît une première fois, elles reviendront forcément d'elles-mêmes pour voir si elles peuvent retenter la chose. Et dans ce cas, toi, en tant que créateur, tu auras réussi certainement le plus beau des paris possibles, soit simplement te trouver un proche qui aime les mêmes choses que toi et qui donc encore une fois te comprend et se retrouve dans ta manière de voir les choses. Ainsi donc, tu sais qu'il faut les faire venir lorsque tu as réellement besoin d'eux et que leur place est nécessaire. Il viendra donc la dernière question, peux-tu tout faire avec eux ?